Yahoo, bonjour, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui, je te retrouve donc avec l'extrême plaisir pour le dernier album des Monsta X, à savoir Fatal Love. Je ne sais pas, on verra pas très très bien, mais c'est écrit Fatal Love. Donc voilà, on se retrouve pour la présentation de l'album avec le modèle rouge holographique, on va dire ça comme ça. Il y a plusieurs modèles, j'ai décidé de prendre celui-ci parce que je trouvais que c'était le plus beau. Et je vais te zoomer pour que tu puisses voir les petits détails. Voilà, donc là on arrive à voir le love. Et donc Fatal écrit ici, on a un petit logo. Les noms des chanteurs, le titre. Et voilà, donc je trouve juste magnifique, il reflète absolument tout et c'est juste trop beau. Ceux de base, il est tout rouge. Je te mets une image juste à côté pour ceux qui ne connaissent pas. Mais il est tout rouge et donc il est vraiment trop trop beau. Donc on va découvrir l'album ensemble parce que je viens juste d'enlever le plastique avant la vidéo et je vous ai attendu depuis du coup mon cadeau de Noël, vu que c'est un cadeau de Noël que j'ai eu. Et je n'ai pas ouvert depuis, j'avais attendu vraiment de faire la vidéo avec vous pour pouvoir tout découvrir. Donc on ouvre et on a tous les petits détails. Oh, j'ai au nez, trop bien. D'accord. Donc je vais te le mettre ici pour que tu puisses bien voir. Mais c'est une image de Honey en costard. L'image est assez sombre. On verra pas grand chose, tu vois. Mais c'est Honey. Donc je suis trop contente parce que c'est un de mes préférés. Voilà. Ensuite, je suppose que c'est une carte avec un. Oh, c'est en holographique, d'accord. Et c'est. Alors je connais jamais son nom. Jung Wong, je suppose que ça se dit comme ça, le numéro 4, je sais pas du tout, j'ai jamais entendu son nom et c'est le dernier en tout cas pour moi dans le groupe, donc ce n'est vraiment pas mon préféré, donc j'ai jamais retenu son nom. Ah bah on voit bien là. Donc voilà, ça j'essaierai de voir avec une amie si elle a l'album et si elle a un de mes chanteurs pour échanger parce que j'ai pas trop envie de garder cette carte. Ensuite, oh, Im, je sais jamais comment faut dire, si c'est Im ou Im. En tout cas, c'est mon préféré, c'est le numéro 1 dans tous les Monsta X. Donc je suis trop contente. Je suis vraiment trop contente, là c'est vraiment mes deux chouchous. Il y a Shonyu aussi que j'adore. Alors là, c'est un truc à ouvrir. Oh, Shonyu, oh, trop bien, j'ai mes trois préférés. Là, j'ai vraiment trop de chance. Alors, j'ose pas en fait ouvrir. Parce que je vois pas ce que ça fait. Je n'ose pas en fait ouvrir parce que j'ai peur d'abîmer le truc. Je vois pas ce que ça peut apporter en fait. J'ai pas envie de l'abîmer le truc. Ouais, ça sert à rien en fait. C'est juste à déchirer pour... Je sais même pas, je comprends pas trop. Donc je vais pas le déchirer parce que j'ai pas envie. Et je suis trop contente parce que là, tu vois, tu as mes trois préférés. C'est plus dans cet ordre-là, je dirais. Quoique là, c'est toujours assez mitigé au niveau de mon avis. Mais voilà, en tout cas, ça, je suis trop contente. À part pour cette petite carte-là, holo. Mais ça, c'est pas très grave. Ensuite, on a quoi? On a une planche de stickers. D'accord. Ah, on a tous les noms. Donc, tu vois, le nom, pour ceux qui ne connaissent pas le nom de celui que j'ai en carte holographique, il est ici. Donc, je ne sais jamais comment il faut le prononcer. Et ben, c'est tout, apparemment. Donc, tant mieux. Je suis trop contente. Là, déjà, je suis refait. Donc, comme je ne peux pas mettre de musique de l'album, vu que sinon je me fais strike la vidéo, je te mets ici le lien de l'album entier pour que tu puisses écouter en même temps si tu veux découvrir leur musique. Et je mets bien entendu une vidéo, enfin une musique en fond de cette vidéo. Je voulais juste dire un truc, mais je ne sais plus. Si que Shonyu du coup était magnifique. C'est bon. Alors je suis désolée pour l'éclairage, j'ai été obligée de couper ici parce que sinon tu vois ça fait des reflets, ça fait pas beau. Voilà. On est. Il adore. Et comme je disais en fait je trouve ça dommage que là il ait les cheveux noirs parce que dans le clip il me semble qu'il a les cheveux rouges ou roux, un truc comme ça. Et je trouve tellement beau aussi avec les cheveux roux.